yabino yangoyo. Donc moussou se zatie. Donc boko senti bile inango, boko découvri ma soleil belé, boko mona ma kamwe belé, donc e sepele sabino, et longo labino ma basusi banin, donc si tina bino yangoyo. Boyo ki yango, hein? Bisou bisou. Bisou bisou, bisou bisou, bisou bisou, bisou bisou, bisou bisou. Bouloukoutoute, yena Congo, Swiss TV. Bouloukoutou, ça c'est du bio. Et nous, là, ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, tu veux dire qu'il y a ma chambre froide de thé. Vraie formation, c'est Congo Swiss TV. Bouloukoutou, et yo kasso de Congo Swiss TV. Tsunga e. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez abété bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décidé, hein? Congo Swiss TV, hein? Congo Swiss TV. La gangi, bafoué!
Mettez-vous debout, les finalistes, s'il vous plaît. C'est la fin de l'année. Dans quelques instants, nous allons décerner nos enfants pour la passation des classes supérieures. Durant cette année pesante et difficile, nous sommes tous conscients de l'incertitude des enjeux sociétaux actuels dans notre pays. Et notre mission à tous demeure celle de montrer la bonne foi dans un monde en mutation qui fait face à des changements profonds. Merci de tous les efforts, chers parents. Vous avez déployé vos efforts pour les études de vos enfants. Les enfants ne peuvent pas grandir comme les champignons qui sont en train de se pousser. Les enfants doivent grandir avec une éducation. Il n'en est aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise humaine qui voit entacher des perfections, et ce sont ces imperfections et erreurs qui indiquent la bonne voie à suivre. Nous avons fait des jours, des mois avec ces enfants que vous voyez. Il y a eu d'autres qui tombaient malades à l'école. Il y a eu d'autres qui ont eu des problèmes à l'école. Mais étant éducateurs, nous avons fait un effort de les amener jusqu'à la fin de l'année. Moi, si j'étais à votre place, j'ai déjà applaudi pour ces enfants. Est-ce qu'on peut applaudir pour les enfants? Chers invités, malgré tout, de grandes choses sont à notre portée aujourd'hui. Nous sommes appelés à poursuivre notre mission avec patience, avec amour. Tant que parent, tu ne peux pas laisser les enfants rester à la maison. Tu dois faire un effort parce que ce sont tes enfants de les amener à l'école. On n'a pas un autre endroit où on peut amener les enfants, à part la famille, on voit l'école et l'église. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pour cela, le complet scolaire à la reconnaissance appelle tous les parents de venir inscrire leurs enfants le plus vite possible. Il me revient encore, chers parents, ce qui est choquant, ce qui est fatigant, ce qui est touchant, de voir des parents qui abandonnent les enfants à cause de leur discussion conjugale. C'est trop dangereux. Les enfants ne peuvent pas subir vos réactions en tant que parents. Les enfants doivent bénéficier de tous les intérêts possibles à votre égard. Pourquoi? Parce que l'enfant est venu au monde sans vous faire signe que je dois arriver. Il est venu compte tenu de votre union. Vous avez fait un enfant. Mais il y a tant de parents qui commencent à rejeter la responsabilité de leurs enfants. Nous avons tant constaté, nous avons tant observé, et tantôt ça fait très mal au cœur. C'est vrai, dans notre pays, il y a multiples problèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de résoudre
donner des solutions à nos problèmes. Très chers parents, les complexes scolaires de la reconnaissance a vu le jour en 2020. Aujourd'hui, c'est 2023. Nous avons fait une expérience avérée à qui nous sommes donnés âme, corps et esprit pour l'intérêt de ces enfants. Nous, notre but, c'est de former ces enfants. C'est notre travail. Nous avons choisi ce travail pour former ces enfants. Nous avons besoin que ces enfants, demain, ils deviennent des chefs, des filles, des populations congolaises. Si aujourd'hui, nous voyons les autorités de notre pays, c'est parce que beaucoup ont passé par les bancs de l'école. On ne peut pas ramasser la vie comme ça. On doit étudier. Et étudier, c'est maintenant. Étudier, c'est maintenant, pas demain. D'ailleurs, il arrive d'autres choses que vous oubliez. Les enfants que vous voyez petits, demain, ils deviendront comme nous autres ici. Nous tous, on était comme ça. Personne n'est déjà grandi. C'est pour cela que j'attire l'attention des parents. Il y a maintenant ce qu'on dit, la non-responsabilité des parents. Les complexes scolaires de la reconnaissance vous invite, chers parents, vous invite et attire votre attention. Chers parents et partenaires de l'école, pour terminer, je profite aussi de cette occasion qui vient de m'arriver et j'exprime mon grand plaisir de vous avoir accompagné ces 2 ans au service de la jeunesse congolaise. J'encourage les parents qui se donnent âme, corps et esprit pour l'intérêt de leurs enfants. N'abandonnez pas, n'abaissez pas votre main là. Continuez, balancez, cherchez pour les demain de votre enfant. Très chers parents, je sais que nous avons fait tant de choses avec les enfants. J'ai beaucoup apprécié. Nous avons instauré le système d'action des grâces que nous avons loué les bons pieds pour nous avoir gardé tout au long de cette année 2022-2023. Et aujourd'hui, c'est la fin. Moi, je suis doublement ravi, je suis doublement heureux parce que c'est les vacances qui commencent. Donc, tout le monde a réussi. Personne n'a échoué. Et avec des 89% et des 79%, parce qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Voilà. Merci. Et aussi, il y a eu les tests d'orientation nationale des cycles secondaires, ce qu'on appelle, où vous attendez, TENASOS. Les enfants ont fait encore 100%. On peut applaudir ce que vous. Maintenant, nous avons un appel vivant s'inscrire son enfant à partir des premières humanités, ce qu'on appelait troisième, deuxième humanité, ce qu'on appelait quatrième, troisième humanité, ce qu'on appelait cinquième, et quatrième humanité, ce qu'on appelle maintenant sixième. Donc nous avons des sections là-bas, il y a section pédagogie générale, il y a section scientifique, il y a section commerciale gestion, ainsi que la section littéraire. Donc quand vous avez un enfant, venez, l'inscription est gratuite.
Après Moremba, nous avons l'élève Lupia Fatouma. Lupia, nous avons l'élève Ponti. Il fait passer l'élève Ponti dans la classe. Un bon garçon. Un bon garçon. Oh là 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 là. Il est trop blessé. C'est bien. C'est bien. En deuxième primaire. Et ce sont des élèves qui ont distingué. Ils ont fait des points moins. Ils ont fait des 98, des 92, des 93. Chez nous, on ne donne pas les points gratuitement. Ils ont mérité. Si vous avez des doutes, vous pouvez prendre un enfant, vous lui posez la question, il va vous répondre. J'appelle encore l'élève Fouy Kassama. Voilà, on a fini. Très bien, ma fille. J'appelle encore l'élève Kabamba Misumba. Pendant qu'il n'a pas sauté l'emménager, Kabamba Misumba, elle est où? Moutchaïni Matambi. Des élèves qui ont distingué, ils ont fait des bons points, ils ont réussi. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les élèves ici? Merci, cher parent. Dans l'enseignement des guides militaires qui sont là, ils vont balancer la salle. Ok. Maintenant, on passe aux élèves qui ont satisfait. Cela veut dire, tu as fait quelque chose quand même, tu as réussi. D'accord? Voilà. J'appelle le maître Dani Komokombo. L'élève Dani Komokombo. Wow. L'élève Tchala Katumba. Tchala Katumba. L'élève Kouna, montez ma fille, félicitations. L'élève Ibio Kabenedi. Oui, l'élève Ibio Kabenedi. Oui, félicitations. Félicitations. Voyez cette petite fille. Quand même, l'argent des papas n'est pas parti pour rien, non? Tu as réussi, hein? Voilà, on peut applaudir. Merci. Oh, voilà ma fille. Mettez-vous ici. Ok. On peut acclamer pour Mané Katoni. L'élève Sipio Kiala. L'élève Sipio Kiala. Absente. L'élève Mona Licolo. L'élève Mona Licolo. Il est où? Absent. Voilà. On peut applaudir pour la fille. Elle a un sens quand même. Merci. Voilà, 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 vo
Paul, nous suivons toujours le message officiel de ministre de la peste. On ne peut pas programmer les enfants sans rendre compte de la date prévue par le ministre. Nous nous sommes dit, nous allons programmer les enfants le 1er juillet comme l'a annoncé. Et c'était très bien passé parce que nous avons décerné les certificats, nous avons présenté les trois premiers de chaque classe et ça nous arrive. Nous enchaînons avec la foi, nous espérons qu'il y aura de bonnes choses. Quoi que ce soit, on ne peut pas sacrifier nos enfants. Nos enfants, ce sont de relève du demain. C'est eux qui vont nous remplacer. On va se battre, on va bien commencer l'année et on va encore bien terminer. Effectivement, on a connu des problèmes sur le plan financier. En tout cas, beaucoup de parents n'arrivaient plus. Même aujourd'hui, à la programmation, il n'y a pas eu du monde. Parce qu'il y a des difficultés vraiment très fortes auprès des parents. Même pour payer, même pour faire plaisir aux enfants, ça pose problème. C'est ça que nous déplorons aux gens qui sont en train de nous diriger, de prendre les choses au sérieux. Je veux dire aux parents d'être toujours joyeux. D'être toujours joyeux, il faut savoir, la science, on ne donne pas ça gratuitement. La science, on les paye. Et quand on les paye, on doit mériter. Nos enfants ont fait l'essentiel, les autres ont passé en première, les autres septième, les autres première humanité, et les parents ont fait face aux différents moyens de l'école. Et ça s'est passé. Oui, je lance un appel vibrant aux parents, qui ont des enfants qui ont passé des premières, ce qu'on appelait troisième des humanités, de deuxième, ce qu'on appelait quatrième humanité, de troisième, ce qu'on appelait cinquième des humanités, et de quatrième, ce qu'on appelle sixième des humanités. Venez, n'allez plus loin, la solution est déjà là, à Ikelemba, où nous allons attendre vos inscriptions, avec des sections organisées comme la section scientifique, s'il vous plaît, section littéraire, section commerciale, gestion et pédagogie générale. On est là, on vous attend, chers parents. Nous sommes là, on vous attend. Bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV.
yangone peneza ma solo ya malunga ezana makambo pene ya malunga na kanti boza décidé hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV la gangi bafoué.